Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette toute nouvelle émission, nouveau podcast de Cinéfeuze. J'espère que vous allez bien. Donc on va déjà dire bonjour à nos deux compères de Cinéfeuze. Bonjour Fabien, bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes content de vous retrouver, qu'on se retrouve comme ça en audio? Oui, mais j'ai le nez un peu bouché, donc je m'excuse à l'avance, mais sinon je suis très très content. Ouais, totalement. Comme ça, on va pouvoir... Se gratter les couilles pendant qu'on parle de Guillermo del Toro. Exactement. Exactement. Parce que j'ai la nuit... Parce qu'il voudrait qu'on se gratte les couilles. Oui, c'est vrai. Alors, on va juste... Je vais juste vous expliquer un petit peu ça va être quoi le concept de ce nouveau podcast. Alors, ça va être très simple. On l'avait dit déjà dans le podcast vidéo de Cinéfeuze. C'est la suite de Cinéfeuze, tout bêtement. On va continuer à parler de cinéma, de films, à débattre autour des événements d'actualité ciné. Et cette fois-ci... on a décidé de parler de Guillermo del Toro. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des podcasts différents et plusieurs podcasts seront consacrés à des réalisateurs en particulier et à toute leur filmographie. Comme c'est en audio, on aura le temps d'en parler en long et en travers. Et avec del Toro, on sait qu'il y a de quoi faire. Donc, on est parti pour un bon gros podcast consacré au cinéaste. On va vraiment commencer du début de sa carrière, vraiment avec ses tout premiers films, même les courts-métrages, on a un petit peu vraiment tout décortiqué. Jusque, bah, évidemment, Pacific Rim, qui est sorti ce mercredi, en tout cas le mercredi, là où on tourne. Juste pour dire, on va aussi continuer à faire les avis, les commentaires, et on va revenir sur vos commentaires. Donc, Cinéfeuze, à vous la parole, je ne sais pas si on va continuer avec ce titre, mais va continuer. Donc, j'espère que vous allez avoir encore pas mal de choses à dire sur Del Toro, sur Pacific Rim, mais aussi sur toute sa filmographie. Et comme ça, on pourra revenir sur vos commentaires, on vous citera dans l'émission, on conclura le débat avec vous. Il y aura aussi la séance du Fuzz, donc on rappelle, on fait le commentaire entier sur un film en entier, un petit peu comme les commentaires audio dans les Director's Cut, qui sera diffusé en binôme avec la nouvelle émission Cinéfuzz. Voilà, tout ça en audio, on espère que ça va. Ça sera disponible évidemment sur iTunes si vous nous écoutez, et évidemment aussi en flux RSS directement sur le site de Cinéfuzz. Est-ce que t'as vu ta voix en fait elle était assez suave au début, ça s'est cassé progressivement. Mais ce mois aussi j'ai attrapé la crème. Ouais. Hein Fabien, en fait on a tous les deux attrapé la crème au même endroit en fait. C'était obligé. On était nus au même endroit, ouais, c'est ça. Dehors c'est ça. Ensemble. Oui, oui. En mangeant une glace. En mangeant une glace. On vous masturbant devant Pacific Rim, j'imagine. Non, je me suis masturbé avec toi devant Pacific Rim. Oui, ok, alors. T'étais pas nu avec moi. Revenons au début de la carrière de. Alors, non, avant de parler de la carrière de del Toro, etc., j'aimerais bien qu'on discute un petit peu, que vous partagiez vos souvenirs. J'ai adoré son rôle dans Trafic. Dans Trafic, oui, c'est ça. Alors, vous savez qu'on a beaucoup. On a beaucoup confondu, le grand public confond souvent Benicio del Toro et Guillermo del Toro. Alors, on explique qu'ils ne sont pas de la même famille. Il n'y a pas la famille des del Toro qui est une grande famille. C'est Frankie Fingers. Et il y a plusieurs taureaux au Mexique. Il y a plusieurs taureaux au Mexique, exactement. Oui. Il n'y a pas qu'un taureau. Il n'y a pas qu'un taureau. Del. Et c'est del Toro. Et donc, et c'est quoi votre premier rapport avec le cinéma de del Toro? C'est quoi le premier film que vous avez vu, etc.? Alors, écoute, moi, c'était assez intéressant. J'étais dans un cinéma... un petit cinéma de quartier, et il faisait une nuit avec une avant-première et tout ça, Blade 2, alors ils avaient diffusé Les Chines du Diable, ensuite Samouraï, donc tu sais le film français de merde là, ouais. Et Blade 2 à la fin. Alors Les Chines du Diable, du coup, on se en fait, il y avait une petite pause entre les deux. Quoi, alors, j'ai rien compris en fait, pourquoi ils ont fait ça. Bon, intéressant. Du coup, j'ai regardé Les Chines du Diable, et c'est un film qui m'a littéralement transcendé. Clairement, quand je l'ai vu, j'ai été sur le cul. Bon, j'ai un peu souffert avec pas qu'un peu avec Samouraï, mais du coup on est parti après sur Blade 2, et du coup je pense que l'après Samouraï m'a fait ne pas aimer Blade 2. J'étais pas trop convaincu par le film jusqu'à ce que je le revoie 2-3 fois au cinéma. On va revenir, en tout cas le premier c'est Les Chines du Diable, voilà, on va revenir sur Blade 2 de toute façon, surtout Les Chines du Diable apparemment. Toi, c'est là où t'as commencé à savoir qui c'était le réalisateur, ou t'as su après? Non, c'est à partir de là que je me suis intéressé qui il est. Là, il a fait Chronos, bah tiens, je vais acheter le DVD en vitesse parce que j'aime bien l'univers. Alors Fabien? Alors en fait, moi, c'est avec Mimic que j'ai entendu parler de lui. Déjà, c'était le nom qui m'avait frappé. C'est Mimic Mati. Non, c'est son nom à lui. Quoi, la blague de merde lui, c'est les grosses têtes, on vous l'a dit. Non, c'était son nom à lui. Je me suis dit, Guillermo del Toro, je me suis dit, tiens, un réalisateur avec un nom hispanique qui est sur ce type de film, ça doit être... original. Et en fait, j'ai vu le film pour la première fois en diffusion sur Canal+, donc c'était vers 1999. Je peux pas dire que Mimic, ça m'avait marqué à l'époque, parce que
il y avait des petits problèmes enfin qui sont dus au film. On va revenir aussi. Mais ça c'était la première. Mais ça avait marqué, il y avait des scènes qui m'avaient vraiment marqué. Et pareil, t'avais appris qui était Del Toro à ce moment-là. En fait, j'ai réalisé sans mauvais jeu de mots, le poids du bonhomme. Avec la sortie en France quasi simultanée de Blade 2 et de Les Chines du Diable. Alors Del Toro, est-ce qu'on va un petit peu raconter, on va faire vraiment sa biographie de base. Donc Del Toro, il est né, c'est un Mexicain, donc il est né au Mexique. Alors, il est né quand Vas-y, dis-moi Philippe, parce que c'est toi qui as les infos biographiques. En 1964. Ouais, 1964. 9 octobre. À Guadalajara. D'accord. Non, Guadalajara. Désolé. On a tous fait allemand en langue 2, c'est pour ça, on est comme ça. Donc voilà, et c'est un Jalisco. En tout cas, c'était un jeune enfant très très cultivé, très geek sur le coup. Un érudit. Un érudit, ouais. Apparemment, il lisait 5 à 6 livres par semaine. Il voyait beaucoup de films. Passionné par le cinéma de la Hammer et aussi par les monstres, etc. Il voulait un culte à Lovecraft aussi. Donc bon, voilà, ça n'a pas trop changé en fait. Et en plus, il est né à une époque où le cinéma fantastique mexicain était très très florissant. Hein. Alors vas-y, comme quoi, comme film ? Je peux penser à... Il y avait les Santos ou... Oui, bien sûr, il y avait les films de luchador mexicain, mais il y avait des réalisateurs comme Fernando Méndez avec des films comme Les Proies du Vampire, d'autres films comme La Llorona de René Cardona, où vraiment... il est vraiment né à une époque où parce que le cinéma mexicain de fantastique est très florissant de la fin des années 50 jusqu'au milieu des années 70, et lui il est vraiment né à cette période où il pouvait aller certainement dans le cinéma de quartier et voir des films de fantômes, mais aussi des films de vampires, des films de créatures et tout ça. Et vu que le cinéma fantastique mexicain, il est très ancré dans le catholicisme. Oui, alors c'est ça, c'est la grosse part qui raconte beaucoup dans sa jeunesse. C'est qu'il avait une grand-mère très 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 catholique, vraiment catholique, très pratiquante, et que ça l'a beaucoup marqué, c'est-à-dire qu'il a une culture catholique très forte, même si il se dit maintenant complètement athée en fait, mais ça l'a beaucoup marqué. Il disait qu'elle mettait des choses dans ses chaussures pour pas qu'il ait le diable sous son poids, enfin des choses comme ça, un truc assez assez fort, enfin vraiment là. Mais bon, on est au Mexique, il y a la religion qui est de façon très forte là, et c'est aussi quelque chose qui l'a beaucoup marqué, surtout pour un fan de cinéma. Du cinéma d'horreur, en tout cas du cinéma fantastique, c'était quelqu'un qui était vraiment obsédé par ça. De toute manière, la littérature, parce qu'il a lu un paquet de trucs. La manière de gérer la religion et la superstition au Mexique, elle est complètement différente que celle qu'on expérimente nous. Et ça nourrit aussi son cinéma et son approche, à mon avis, des détails, des icônes des accessoires. Oui. Je pense. C'est aussi un mec qui voue un culte énorme. Alors ça a rien à... Alors du coup, on n'y pense pas du tout quand on voit ses films, mais c'est clair parce qu'apparemment il a écrit un petit livre au Mexique là-dessus sur Hitchcock. Il a même écrit un petit livret sur Hitchcock apparemment au Mexique, etc. Et c'est un grand fan du bonhomme. Tu vas me dire tout le monde est fan de Hitchcock, mais lui il lui voue vraiment un culte parce qu'on sait qu'il a une chambre, enfin, qu'il a une salle de création chez lui maintenant aux États-Unis dans sa villa là. Il a, je pense que vous avez vu des extraits sur YouTube, il a 4-5 endroits où il a plein de costumes, des vêtements de Frankenstein, des affiches. Alors, il dit que c'est son lieu de création. Il a une fait. Pièce Frankenstein. Ouais, et il a une pièce Hitchcock aussi. Mais je crois que c'est toute une où il maison. Il a plein de statues d'Hitchcock avec des affiches, etc. C'est toute une quasiment maison. Quasiment une sous-maison. Quoi. Il a une villa musée c'est perso. Ça. Quoi. C'est ça, c'est une musée. Et il dit que c'est là où il crée. En fait, il a dit qu'il voulait créer un lieu de propice à la création. En fait. C'est pour ça que quand il invite les designers. Même si moi, quand tu m'invites là-dedans, je ne crée pas, moi je lis. Je non, mais en fait, il invite tous les designers à aller là-bas pour être dans un environnement créatif optimisé, on va dire. D'accord, ok. Puis il est mis tout nu et après il les filme. C'est ça. Ouais, bon voilà, en tout cas, il voit un Del Toro Factory. Il voit un grand culte à Hitchcock. Il a même fait, je crois que c'était à Vancouver quand il tournait Pacific Rim, il faisait des séances, des doubles programmes de films d'Hitchcock où il les commentait après, etc. Dans des débats. Il avait le temps. Ouais, c'est un mec très actif. Hein. Il dit je sais pas comment il fait pour avoir une vie de famille, etc. Mais bref. Bon, en tout cas, on va un peu avancer sur. Donc au début, il a commencé dans les effets spéciaux. C'est ses premières armes. Donc c'est un mec qui a quand même, je crois qu'il avait même créé une boîte, donc il a commencé avec des effets spéciaux de maquillage, d'où quand même toute l'idée d'effets spéciaux, qui quelque chose qui gère très très bien. Même dès son premier film, quand même, dès Chronos, ça marche, quoi, je veux dire, et c'est un de ses... Il faut dire qu'il était l'élève, enfin en tout cas, il avait bossé avec Dick Smith,
qui était le plus grand maquilleur de l'époque, Dick Smith, c'était celui qui avait fait les maquillages de l'Exorciste, qui avait fait les maquillages de Amadeus et tout ça. Et Del Toro s'est formé auprès de lui, en fait. D'accord. Oui, donc voilà. Et donc il a fait une petite boîte et ensuite il a bossé sur pas mal de productions mexicaines aussi, en tout cas. Des courts-métrages. Et ouais, alors il a fait plusieurs choses. Il a fait deux courts-métrages. Donc c'est quoi les courts-métrages, les premiers courts-métrages, Philippe? Dis-moi les dates juste. Alors tu as Donna Loupé, et donc en 85, mon année, tu vois, le mec il a commencé pile quand. Ouais, pareil. Ouais. Nickel. Et tu as Géométria. Donc en 87. Alors Géométria, moi je l'ai vu, il est sur YouTube, tu peux le voir aussi, il est en bonus aussi. Et je crois que le deuxième, par contre celui-là je l'ai pas vu, apparemment c'est plutôt un film noir, Donna Lopez, qui est plutôt un film assez sombre, oui, assez peut-être plus proche de Chrono justement, on va revenir après, mais Chrono c'est peut-être un film un peu plus différent de ses autres films justement. Il a un côté un peu film noir, un peu loufoque quoi. Et Géométria, je l'ai vu. Vous l'avez pas vu, Géométria? Non, j'ai pas vu. C'est vraiment une petite vanne. Hein. Et lui-même dit que c'est pas top, etc. C'est assez marrant. C'est un mec qui fait un pentagramme chez lui parce qu'il connaît rien en géométrie ou je sais pas quoi. Il invoque un démon et il demande après plein de choses au démon et ça se termine. Le mec il mange des gens. Il est dans sa chambre même. Non, ouais, je crois. Et à la fin, il mange sa grand. Il mange sa mère ou je sais pas quoi. C'est pas très. C'est une sorte de grosse vanne quoi. Ouais. J'ai pas vu. C'est plutôt marrant. L'autre, je l'ai pas vu, mais je crois qu'il est diffusé maintenant sur le Blu-ray Criterion de Chrono, je crois. Ah, certainement. Ouais. Justement, parce qu'il l'a fait ressortir. Et il a fait aussi un autre truc. C'était juste avant. Je crois que c'est la Hora Marcada, je crois. Qui sont des. Oui, je crois que c'est après. Ouais. Alors, c'est avant ou après. En tout cas, c'est des. Alors, c'est une série de. C'est 86-89. C'est ça, la Hora Marcada, ouais. Donc c'est une série de c'est un peu comme les Contes de la Crypte au Mexique, en fait. C'est des anthologies. Ouais, c'est des anthologies, mais pas du tout le même budget. Et okay, il a réalisé plusieurs épisodes, c'est là où il a dit qu'il a fait ses mains, enfin il s'est fait un peu ses armes. Et il y a aussi les deux frères Cuaron, donc Alfonso Cuaron et son frère aussi, qui est aussi réalisateur, qui ont travaillé avec lui là-dedans, et qui ont ensuite réalisé, les deux frères ont réalisé des films, mais surtout Alfonso Cuaron, parce que c'est lui qui va réaliser Gravity, Les Fils de l'Homme, et Le Chevalier d'Azkaban. Même encore maintenant, ils sont vachement en lien entre eux, quoi. D'Azkaban. Prisonnier d'Azkaban. Tu dis Le Chevalier? Oui, ça marche. Oh, c'était aussi un chevalier, hein. Bref. Allez. De toute façon, cette communauté de réalisateurs mexicaines, vu qu'elle est quand même assez réduite. Mexicaine. Oui, c'est la communauté. Ah oui. Oui, cette communauté mexicaine de réalisateurs, elle est très forte justement parce qu'elle est réduite aussi. Oui, c'est ça, c'est qu'à l'époque c'était très très difficile de faire des films là-bas, il y en avait très très peu, c'est pas du tout, il n'y avait pas un énorme marché pour faire des films, donc du coup, quand il a réussi à faire Chronos, c'était quand même un peu un truc, enfin c'était très très fort d'ailleurs, enfin, et le film a eu beaucoup beaucoup d'écho justement parce que c'est un de ces grands films mexicains de l'époque qui a marché. Bien sûr. Donc justement, on va arriver à Chronos. Alors juste pour dire, la Hora Marcada, il a dit qu'il montrerait jamais les épisodes, parce qu'après moi, ils les ont revus avec les frères Cuaron, il a dit que c'est absolument horrible, et que jamais il voudrait montrer ça tellement c'est une catastrophe. C'est dommage. Ouais, enfin bon, je crois que c'est un haut niveau à mon avis. Mais j'ai vu des extraits sur YouTube, enfin pas de lui, mais de base de la série. On les verra un jour. C'est vrai que c'est une vieille série, un style soap quoi. Donc Chronos, la date 1993. Donc, alors là, Chronos, gros morceau. Oui. Est-ce que quelqu'un peut raconter un peu l'histoire, etc. Ah, toi, tu l'as vu récemment, vas-y. Alors, l'histoire de Chronos, c'est assez simple. C'est un film de vampires. Alors, Del Toro est absolument obsédé par les vampires. Je crois que c'est vraiment les créatures qui kiffent le plus parmi tout le bestiaire qu'il a montré dans ses films. Donc, ça se passe. Donc, c'est son seul film qui se déroule au Mexique et qui a été tourné au Mexique. Donc, en fait, en gros, on suit un antiquaire. Qui élève sa petite fille tout seul avec sa femme, et en gros il va trouver une sorte d'artefact qui ressemble à un œuf doré mais qui se transforme en une sorte de scarabée. On dirait un œuf de Fabergé. C'est ça, ouais. Un gros bijou. Ouais, très très beau et avec des ornements. Et en fait, il est l'artefact a un insecte à l'intérieur de cet artefact qui peut pomper le sang des gens. Et le mec va être piqué par cet artefact, et du coup il va avoir une sorte d'addiction qui va se créer, c'est-à-dire qu'une fois il se fait piquer par accident, et puis après le mec il sent un manque, et à chaque fois il est obligé de se faire piquer pour continuer, et puis au fur et à mesure il commence à rajeunir quoi. Il y a sa relation avec la petite fille qui est très importante, qui le regarde sans parler, sa petite fille est muette, elle le regarde sans parler pendant tout le truc, parce qu'elle sent que son grand-père est en train de devenir fou quoi, à cause de ça.
Et en même temps, il est poursuivi par un bossu qui est incarné par Ron Perlman, qui donc c'est son premier film avec lui. Qui reprend son rôle de la Cité des Enfants Perdus. C'est ça. Et Del Toro il a fait été... avant. Oui, il l'avait fait avant. Ouais, et Del Toro l'avait repéré dans La Guerre du Feu et dans la série La Belle et la Bête. Et il a été le chercher lui-même, quoi. C'est-à-dire, il voulait un acteur américain, il voulait Ron Perlman pour le jouer. D'accord. Et donc, ce bossu, en fait, bosse pour un milliardaire qui. C'est assez horrible. Le milliardaire, il est en train de mourir de cancer. Donc, tous ses anciens organes sont dans des bocaux qu'il expose devant son lit. Et il veut l'œuf, je crois. Et il veut l'œuf pour devenir immortel aussi. Et puis, peu à peu, le grand-père va comprendre qu'il se transforme en vampire. Et en fait, c'est une réinvention du mythe du vampire, en fait. Puis, au fur et à mesure, le grand-père va commencer à goûter le sang. À avoir envie de boire du sang, à avoir une addiction, et puis à vraiment se transformer physiquement. Oui, quoi. Il a la peau qui change. Ouais, en fait, il y a un gros changement à la deuxième partie du film, que je peux pas dire si les gens veulent voir le film. Mais voilà, c'est une grosse. C'est quelque chose qui se passe d'important, qui fait que là, après, on est vraiment dans le film de morbide, quoi. Et assez. Là, on passe au côté cinéma d'horreur, parce que le film est. C'est assez intéressant, c'est que le film est assez. Loufoque, ça ressemble un peu à un film noir aussi, hein. Aussi à un film d'auteur quand même. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film quand vous l'avez vu? Un film d'auteur parce qu'on sent qu'il n'a pas non plus énormément de thunes, même si il avait quand même beaucoup de budget pour un film. Pour un film mexicain, il avait beaucoup de budget, mais apparemment il s'est endetté pour le faire. Il a dit un quart de million d'euros, de dollars, un truc comme ça. Comment tu es endetté comme ça? Tu vas tu prends des crédits. Des crédits, voilà. Enfin bref, oui, tu rentres à baraque ou des choses comme ça. Oui, et je crois qu'il avait hypothéqué sa bagnole, sa maison, un truc comme ça. Et ouais, Chronos, clairement, quand tu le regardes, tu es angoissé de l'intérieur, parce que l'univers, il est tellement macabre. Visuellement, ça bave un peu, c'est pas une photo dantesque. Du coup, t'as un peu des caches-misères, des zones sombres un peu partout, mais du coup, ça fait le charme du film qui vraiment t'emporte dans cette histoire un peu claustro. Et ça revisite vraiment le mythe du vampire, c'est quelque chose d'assez fort. Enfin, moi, ça m'avait vraiment estomaqué, quoi. Je crois que c'est ce qui m'avait... fait vraiment être tombé amoureux de Guillermo del Toro. Tu vois, j'avais vu Les Chines du Diable et Blade 2, et après j'ai vu ça, je fais putain, ce mec en fait c'est un grand, parce que Mimi il m'avait laissé dubitatif juste avant, et Chronos ouais, c'était quelque chose de tellement sombre que je voyais rarement, et pourtant j'en voyais des films d'horreur. Ça m'avait rappelé le visuel, tu sais, des films des années, fin des années 70-80, quand t'avais des Hellraiser qui arrivaient, des trucs comme ça, des vieux trucs qui te laissent la poisse de l'horreur. Moi, ça me rappelait vachement Cronenberg, en fait. C'est quasiment la mouche version vampirique, quoi. Bah, il y a un côté, en le revoyant là récemment, il y a un côté très très physique, très le corps en décomposition qui change, qui est vraiment un truc qui a. Tu as vu Hellraiser ou pas? Oui, j'ai vu, mais parce oui. Bah... C'est exactement là-dessus aussi, sur le corps qui se reconstruit, oui, tu vois. Oui. Et c'est extrêmement poisseux. Et visuellement, ça rappelle quand même. Ça fait une vieille image, en fait. Une vieille image qui est quand même extrêmement sophistiquée. Et ouais, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette période. Après, il y avait l'aspect lyrique, enfin, il y avait l'aspect poétique, là, qui était vraiment assez présent, qui n'est pas dans tous ses films, mais qui est en tout cas très présent dans celui-là. Bah, on sent qu'il comprend très bien le mythe du vampire, en soi. Alors qu'il n'y a pas de vampire à proprement parler dans ce film. Ben en fait c'est quelqu'un qui a jamais aimé le côté vampire romantique, en fait. Et c'est un type qui voit le vampire, il dit à chaque fois quand il en parle, il dit pour moi le vampire c'est un mort-vivant, quoi. Et c'est vraiment tout ça qui l'intéresse, quoi. C'est le côté décomposition, côté vraiment un peu dégueu du truc, quoi. Vas-y Fabien. Alors moi je l'ai vu en fait il y a 4 ans pour la première fois, j'avais déjà vu tous les autres. Et tiens, je me suis dit, tiens, on va le voir celui-là pour voir ce que ça donne, le premier film. C'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, on dirait vraiment un de ces films des années 90 qui a eu une petite distribution. Et du coup, l'image fait un peu vieille déjà à l'époque. Mais je suis d'accord avec toi sur le côté Cronenberg, en fait, où on suit un personnage qui va se transmuter progressivement pendant tout le film. Ce qui m'avait assez surpris, c'est le fait que ça commence de manière très douce, très lyrique, de manière très chaude et tout. Et plus le film avance, et plus on va dans quelque chose d'extrêmement purulent, malsain. Où moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette idée du grand-père qui devient ce monstre, quoi. Parce que normalement, le grand-père, c'est la figure... c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est que la figure du grand-père devient... C'est rare que ça soit un grand-père qui est un vieux qui...
qui devient vampire. Quoi. C'est là qui marque. Au début, c'est vraiment. Vers la fin, tu te demandes s'il va pas bouffer sa fille. Mais quoi, c'est ça, parce qu'au début, c'est le bon papy. Ouais. C'est le papy avec la moustache, avec les lunettes. Et en fait, pendant tout le film, il perd les attributs du grand-père. Et c'est ça qui fait que le film est vraiment flippant. Quoi. C'est que tu dis, même la figure du grand-père, qui est vraiment rassurante, elle se dégrade progressivement. Et c'est. Et du coup, c'est ça, moi, qui m'a marqué sur le film. Vraiment. Et Wood, il y avait en plus ce bijou qui est vraiment un superbe objet, quoi. Ouais. Où tu vois, t'as des plans du mécanisme avec l'espèce de où tu vois les rouages du truc qui annonce un peu ce qu'on verra sur Hellboy 2 avec les espèces de robots dorés et tout ça. Et déjà, on voit l'obsession du détail chez Del Toro, c'est-à-dire il peut pas créer un univers de ouf avec un budget limité. Donc, et en fait, tout l'univers de son film, c'est le bijou. Ouais. En fait, il y a tout un truc. Alors, pendant que Philippe est en train de changer les batteries, de couper le téléphone fixe de chez. Oui, il y a deux choses très très importantes qu'on voit là et qui sont deux éléments des détails justement de Del Toro. C'est sa passion pour les insectes, qui est très très forte et qui arrive direct là, puisque c'est quand même un insecte qui est à l'intérieur justement du chronos, enfin c'est un scarabée doré après. Et sa passion pour l'horlogerie. L'antiquaire, il a plein d'horloges chez lui, et puis évidemment, il y a tout un truc sur les rouages en or de l'objet, qui est très très fort. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous ses films. On sent que c'est une obsession chez lui. Le fonctionnement, la mécanique. Et justement, on parle d'insectes, et là, on va passer à Mimic, qui est le premier film américain du bonhomme. Alors Mimic, ça date de grosse commande. Je ne sais pas. Alors il a mis quelques années avec pas mal de projets dans les pattes avant de faire Mimic. Ouais. C'est en fait on rigole toujours en disant qu'il a plein de projets maintenant, etc. Et qu'il en fait jamais aucun et je sais pas quoi. Mais déjà après Chronos, c'était ça. Bah ouais, tu m'étonnes, entre 93 et Mimic 97, donc ça veut dire que... Il a dit qu'il avait plein de projets qui ont été abandonnés avant de tomber sur Mimic. Et il y en a un qu'il a refusé parce qu'il se sentait pas prêt de le faire. C'était le premier Blade. Oui. C'est vrai ? Oui, parce que David Goyer, le scénariste, a dit il faut aller chercher ce mec, il faut aller chercher Del Toro. Sauf que Del Toro ne se sentait pas prêt pour réaliser un deuxième film de vampire juste après Chronos. Là, c'est intéressant. Tu sais qu'on l'avait aussi approché pour Seven, quoi. Et il avait dit c'est génial, mais c'est pas mon univers, quoi. Je peux pas filmer ça, c'est pas mon truc, quoi. Ouais, pourtant c'était un réalisateur qui se lançait, il aurait dû dire oui à tout et... Oui, non, non, alors il travaille, je crois que c'est à ce moment-là qu'il travaille sur une version du Comte de Monte Cristo. Ouais. En cyberpunk, quoi. C'est-à-dire que le mec, il avait un bras mécanisé, etc. Enfin, un truc. Mais ça, c'est un gros fantasme qu'il a jamais pu faire. C'est un projet qui revient souvent, en fait. Ouais, mais je crois qu'il a commencé à ce moment-là. En tout cas, il avait plusieurs projets avant d'arriver sur Mimic. Donc Mimic, qui date donc de 97, produit par les Weinstein. Ouais. Donc Miramax, donc c'est important puisque c'est un peu le grand souci qu'il y a eu justement avec Mimic. Mimic, c'est un peu une date importante chez Del Toro parce que c'est un peu là où il a un peu pris la vie, en fait. Hein. On va dire, c'est un peu la vie de réalisateur. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer Mimic un peu justement? Alors, l'histoire. D'après ce que je me souviens, ça se passe à New York. Oui. Et en fait, il y a des créatures qui commencent à attaquer les gens dans les égouts. Ouais, en fait, ils sont issus d'une, manipulation génétique. Ouais, c'est là où on voit la partition pour les insectes, ouais, il y a ça. Ouais, en fait, c'est parce qu'il y a eu une épidémie, et avec des enfants qui mouraient, et du coup, ils utilisent des insectes qui vont créer des insectes hybrides pour que ces insectes puissent tuer, je sais plus s'il y a les rats ou des trucs comme dans les égouts pour éradiquer justement l'épidémie. C'était un truc de nettoyage qui a mal viré. Nettoyage génétique, et c'est le problème, c'est qu'ils ont évolué quelques années après. On se rend compte qu'ils ont évolué et ils commencent à avoir des disparitions dans le. Je crois des disparitions. En tout cas, ils sont réfugiés dans le métro et du coup. Ils étaient envoyés dans le métro. Ils ont évolué, quoi. Ils sont restés astérés et puis maintenant ils veulent en sortir, quoi. Ça devient trop petit. Ouais, et c'est. Alors là, on suit une scientifique. Alors c'est vraiment, c'est limite du Spielberg hein, au niveau de l'histoire, c'est-à-dire qu'on suit une scientifique qui veut avoir absolument un enfant mais qui n'y arrive pas. Je crois qu'elle va peut-être l'avoir au début, donc elle est avec son copain qui est lui aussi un scientifique, ou alors il travaille en tout cas pour un truc qui est relié, et il commence à enquêter, et en même temps on va suivre, alors j'ai oublié le nom de l'acteur, je sais pas si tu peux me le retrouver. Pas Josh Brolin ? Non. Non, c'est le mec qui joue dans Chronos aussi. Il y a le vieillard en fait, il est... Ah merde.
Regarde plutôt sur. Je sais qu'il y a l'italien, l'acteur italien, il y a Giancarlo Giannini. Il y a. Alors peut-être que je me plante, mais je crois que c'était lui. Enfin, en tout cas, il y a un vieux grand-père avec son petit enfant. Je crois que c'est Giancarlo Giannini, l'acteur qui jouait le flic dans Hannibal de Ridley Scott. Ah, ok, d'accord. Bah oui. Ah oui, donc c'est pas lui, mais je l'ai confondu avec le mec c'est de Chronos. C'est un italien. Ouais, c'est un italien. C'est un vieux grand. C'est ça, avec une moustache. Bon, en fait, on suit aussi en parallèle un vieux papy avec son enfant qui découvre un mec qui a fait connaissance d'un type qui sort du métro et qui a un long impair, et je crois qu'il l'appelle Monsieur Knock Knock ou un truc comme ça. Oui, il donne un nom de légende urbaine. Il donne un nom de légende urbaine, et c'est un type parce qu'il fait un bruit, il fait un truc comme ça à chaque fois. Et ce mec, d'ailleurs, il se trouve que c'est en fait un des insectes qui a réussi à se créer une silhouette humaine. C'est ça. C'est un des trucs les plus intéressants du film. Et c'est Doug Jones qui le joue, apparemment. D'accord. Ah, déjà. Donc déjà, voilà, le deuxième acteur un peu fétiche du bonhomme qui vient, donc Doug Jones, qui est plus qu'un acteur, c'est une espèce de silhouette. Enfin, c'est un mec qui... c'est comme un... C'est contorsionniste, limite. C'est comme un mime, en fait. Mm. Ouais, c'est un contorsionniste, comme un mime. Il fait quasiment de la performance. On le prend pour faire des créatures, pour imiter des choses. Il est presque proche du mythe. Puis, il a fait, après, plusieurs films avec lui, quitte même parfois plusieurs rôles dans le même film. Qu'est-ce que vous avez pensé de Mimic, alors? Alors, pour dire après, Mimic, c'est un peu le film qui a déçu tout le monde. Mm. Oui, puis c'est le film arrache-cœur aussi de Del Toro. C'est qu'on ne lui a rien laissé faire, vraiment. Et puis, oui, c'est un peu là où il a découvert les problèmes. Quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui l'a marqué à vie. Il a dit plus jamais, je fais une commande comme ça en me laissant faire. L'histoire est qu'il a été viré à la moitié du film par... Weinstein. Par les Weinstein, alors pas par Harvey, je crois, par l'autre. Bob. Ses frères, Bob, ouais. Parce que c'est plutôt Bob qui s'occupait des trucs fantastiques. D'accord. Et la petite histoire veut... Non, ça, c'est les sources de Peter Biskin, là, qui est un grand auteur critique américain, qui dit que c'est Tarantino qui a été voir Bob Weinstein parce qu'il sortait avec la productrice de Mimic à l'époque, enfin, une des productrices, et qui lui a demandé de reprendre Del Toro et de ne pas le virer. Parce qu'il avait été clairement dégagé du film, et apparemment Del Toro, quand il est décrit par Peter Biskin, il le décrit limite comme un gros enfant qu'on vient de gronder, qu'on vient de casser les jouets, alors que le mec il avait plein d'idées, quoi, et qu'il était limite en larmes, quoi, quand il a été dégagé, quoi, et que Tarantino l'a un peu, mais qu'il a quand même pas pu faire ce qu'il voulait. C'est pire que ça, c'est que le film a été remonté, il y a eu des trucs qui ont été shootés sans qu'il soit là, donc des scènes en plus qui ont été rajoutées, qui sont dans le film. Et la fin a été... Je ne sais pas si c'est lui qui a tourné la fin. Ils ont changé la fin, je crois. Je crois qu'il a tourné la fin, mais que ce n'est pas celle qu'il voulait. Et surtout, oui, voilà, le gros problème, c'est qu'il n'a pas tourné. Il lui reste 20% du film, peut-être, qui n'a pas été tourné. Y compris la fin qu'il voulait faire, qui était assez fucked up, quoi. Qui était... ce qu'il a raconté récemment. Et donc, il a tourné deux fins à la place. Une qui est dans le film, qui est absolument naze. Une espèce de happy end à la con. Une deuxième, qui est parce qu'il a fait une director's cut récemment. Oui, en Blu-ray. Que j'ai vu, qui est pas sortie en France encore, je crois. Non. Qui est assez intéressante. Bah, alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, il a viré toutes les scènes qui n'ont été pas tournées par lui. D'accord. Il les a dégagées. Ça, c'est bon. Il a retravaillé, il a redéveloppé certains points, notamment. Parce qu'il y a toujours des scènes de dissection dans ses films maintenant. Même dans Pacific Rim, il y a des scènes. Où on dissèque l'organisme de la créature, et là on dissèque l'organisme de la créature d'un des insectes, et il a repris la deuxième fin, même s'il dit clairement que c'est, et quand il parle du film, il dit je suis content maintenant de ce film, je le trouve mieux, je le trouve mieux par rapport à ce qui était avant, mais je pourrais jamais tourner ce que j'ai pas pu tourner de ce film. Et effectivement, la fin devait être assez horrible, parce qu'apparemment, la fin, les insectes carrément réussissaient à créer le corps quasiment de l'humain et rentrer dans la société. Enfin, ouais, ça devait se terminer par les insectes qui se transformaient en humains, quasiment. C'est marrant que tu parles de dissection, parce que moi, j'ai plus revu le film depuis 99, donc j'ai que des flashs en tête du film. Tous les films de Del Toro en 99, c'est ça qui est... Non, mais c'est ce que je retiens du film. En 99, c'est mieux que maintenant. C'est ce que je retiens du film, effectivement, le côté, les gens se posent sur des tables d'opération et ils dissèquent les trucs. C'est ce qui m'a le plus marqué du film, avec une ambiance aussi très poisseuse, très pluvieuse. Limite, ça me faisait penser un peu à du Kiyoshi Kurosawa par moment. Mais il aime bien filmer la pluie, voilà, hein. Il y a toujours de la pluie dans ces films. Il y avait des plans de ville.
Il y avait des plans de ville comme ça avec une super ambiance, et surtout il y avait, si je me souviens bien, il y avait une scène où il y avait des enfants qui se faisaient trucider par les et ça m'avait mis sur le cul. Elle était aussi dans la je me demande si c'était pas que dans le director's cut, ça, parce qu'effectivement, et puis ils sont bien tués, hein. Ah ouais, ils sont massacrés, ils sont massacrés, les deux gosses, quoi. Ça m'avait marqué à l'époque. Il y a des choses vraiment pas mal dans ce film, y compris le personnage joué par Doug Jones, l'espèce de mec, ouais, ça c'est vraiment pas mal, et on le voit arriver dans le métro. En fait, il y a plein d'idées dans ce film. À la moitié du film, tu te demandes où le film va aller, en fait. Alors, il peut aller dans cette direction. Tu vois, je suis en train de voir le générique du film, c'est Matthew Robbins qui a écrit le scénario, et Matthew Robbins, c'était un mec qui bossait énormément avec Spielberg, c'était le mec qui avait écrit, je crois, un film qui s'appelle Battery Not Included, un film avec des petits robots. Enfin, c'était un mec proche de Spielberg et qui bossait pas mal avec lui, et un autre gars qui s'appelle John Sayles, qui a fait ses armes avec James Cameron, sur les productions Corman et tout ça. Ouais. Et je me dis, mais comment est-ce que le film a pu finir comme il a fini? Bah, c'est la prod. C'est entre producteur et équipe artistique, c'est tout. C'est, ouais. Voilà. Un autre truc, c'est aussi l'un des derniers films de Rob Bottin, le mec qui avait fait les effets spéciaux de Robocop et de The Thing. Après, il s'est barré de l'industrie, ensuite il en est mort. Oui, c'est vrai qu'il a refait, qu'il a revu récemment, les effets spéciaux, c'était comment pour l'époque? Ils tiennent bien, hein, la route, c'est assez poisseux. C'est assez sombre, par contre, c'est très, très sombre. Ce que je retiens du film, c'est que c'était très sombre, même dans, mais dans les égouts, des fois, tu voyais pas grand chose. Après, le Blu-ray est meilleur, donc t'as quand même. Il faut aussi voir que par rapport à la qualité, on les voit, même Chronos, le retravail des éditions Blu-ray font que quand même. Il y a des choses, des détails qui sont revus, quoi. Il y a une petite anecdote, c'est que quand Christophe Gans a vu le film, il est allé embaucher le chef-op de Mimic, parce qu'il a trouvé Navarro, c'est Guillermo Navarro. Non, c'était... Ah, c'est pas le... Non, c'est Dean Mostyn, qui du coup a bossé avec lui sur le Pacte des Loups et sur Silent Hill, je crois. D'accord, très bien. Mais c'est marrant parce que en fait, Del Toro, sinon, il a toujours eu le même chef-op, à part, du coup, sur Mimic, quoi. Et sur Blade 2. Sur Blade 2, c'est pas lui, c'est non plus. C'est pas lui. Mais sur Blade 2, il a dû demander à son chef-op de faire un truc à la Guillermo Navarro. Ouais, parce que Guillermo Navarro, c'est un peu le grand collègue, enfin le grand camarade de Del Toro, celui qui affine son style, quoi. C'est-à-dire que sans lui, c'est vrai que le style de Del Toro est un peu moins. C'est-à-dire que ça m'étonne pas que sur Mimic, il l'avait pas. C'est-à-dire qu'en gros, c'était vraiment son premier film américain, et je crois qu'il a vraiment dit oui à pas mal de choses au début, quoi. Bah, tu sais pourquoi il pouvait pas Navarro? Parce qu'il bossait sur Jackie Brown. Ah oui. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'il se connaissait. C'est vrai qu'il a bossé sur la Kimono. Et ouais. Moi, le film, honnêtement, je le trouve pas si mal. C'est vrai que la deuxième partie est très très alien. Même plus alien, ça, on pourrait dire clairement. Et c'est-à-dire que c'est vraiment du survival dans un métro. C'est pas la meilleure partie. Mais il y a quand même pas mal de choses cool. Hein. Et à l'époque, il y avait Relic qui sortait au même moment. mais c'est vrai, c'était quasiment les deux films binômes, quoi. Et c'est quand même 10 fois mieux que Relic, hein, faut pas déconner, quoi. Et la Director Scott est quand même plus intéressante. Moi, je veux la voir. Voilà. Et en tout cas, ça l'a pas mal marqué, puisque Del Toro, ensuite, après ça, il s'est dit que... Enfin, il a compris la leçon, quoi. Il a dit, plus jamais je me laisserai diriger comme ça, en tout cas. C'est-à-dire, en gros... une grosse période de creux, encore, après. Hein. Ouais. Et le mec, il lui a un peu sauvé les miches. Putain, on parle bien dans ce podcast. C'est Almodovar. Et ouais. Ouais. Qui contre une petite fellation. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, d'accord, ok. Le mec qui. Non, je croyais pas tout ce que je dis, quoi. Je me suis dit, tiens, Almodovar, qu'est-ce qu'il y a? Non, Almodovar, c'est vrai, par contre. Hein. Regarde. Almodovar, je vais reprendre sérieusement les choses. Donc, son film d'après. Dites-moi la date. 2001. Putain, il a eu une bonne période de trou. C'est Almodovar qui l'a. Mais oui. C'est donc Les Chinés du Diable. Qui est son premier film produit par l'Espagne. C'est son premier film parce que. Pourquoi tu dis les Chinés? Je sais pas, j'ai toujours. C'est les Chines. Les Chines du Diable, donc, qui a été produit. C'est son premier film produit par l'Espagne et donc produit par Pedro Almodovar, qui avait aussi produit Alex de la Iglesia. Il avait produit le premier film Action Mutante. À un moment donné, Almodovar a pas mal aidé les jeunes. Les jeunes un peu mexicains. Alors mexicain non, parce que déjà il est espagnol. Non, je sais, mais je me suis dit allez venez. Mais ce qui est intéressant, c'est espagnol, hispanique. Oui, c'est un jeu hispanique. Là on oublie un gros morceau de sa vie qu'il faut quand même un peu évoquer, c'est que l'une des raisons pour laquelle il a fait qu'un film au Mexique, c'est que son père a été enlevé
parce qu'il y a eu toute une histoire. Alors, apparemment, c'est... Nous vous rappelons que le Mexique est le film avec le plus... Est le pays avec le plus gros taux de kidnapping au monde. Voilà. Et il se trouve que quand quand il a fait Chronos, ça a quand même eu un succès assez énorme. Le film, il est passé à la semaine de la critique à Cannes. Il a même remporté un prix, apparemment. Donc, c'était le film mexicain connu. Et puis, comme on a dit, c'était plutôt un bon budget. Ils se sont dit, du coup, ouais. Ils ont cru que Del Toro avait pas mal de fric. Donc, du coup, ils ont kidnappé son père. Ça a été apparemment... Il a dit que c'est une grosse, grosse période horrible de tension, puisqu'il était en attente. Et en gros, oui, c'est ça, il était maigre avant. En fait, avant, il faisait du sport. C'est quand même catastrophique. Quoi. Donc, en gros, il s'est barré. Ouais. Et il est parti du Mexique. Et il a tout lâché. Quoi. Il dit que son plus grand drame là-dessus, c'est sa collection, parce qu'il avait une collection de bouquins et tout de l'époque. Enfin, toute sa collection qu'il avait à l'époque, quoi, a été perdue. Il a jamais été. Il a vraiment fui le pays. Ouais, il a vraiment complètement le pays, déraciné. Quoi. Okay. Du coup, c'est pour ça qu'il a recréé tout ça dans sa villa aussi. C'est horrible. Donc du coup, après il est retourné là. Tu vois, Pacific Rim, là, il a fait une conférence au Mexique et tout. Donc je sais pas exactement personnellement où il en est avec le Mexique. En tout cas, il produit pas mal de films pour le Mexique. Oui, sauf que là j'ai vu là dans l'écran fantastique, il parlait il voulait financer le film d'un jeune réalisateur. Et le ministère de la culture lui a refusé l'aide. Ouais. Ouais, non, il a un rapport assez bizarre avec ce pays, donc du coup, c'est un déraciné. Donc du coup, il est parti là où si t'es mexicain, tu peux peut-être y arriver, aux États-Unis et en Espagne, quoi. Et c'est là où il y a un peu deux césures dans le cinéma de Del Toro, c'est le côté gros blockbuster et le côté film indépendant, film européen en fait, quasiment. Et donc là, c'est donc L'Échine du Diable, c'est avec L'Échine du Diable qu'on commence. Ça, on va le perdre maintenant, il n'aura plus le côté européen aussi. Non, ça dépend, il produit encore des films pour l'Espagne. Mama, récemment, t'as idée. Mama, c'est un film produit par les Américains et par Del Toro, donc produit aux États-Unis, enfin à Vancouver en fait, pour être plus clair, enfin en Canada, mais bon, c'est quand même une production américaine. Mais c'est le choix du réel, parce que lui, il avait proposé de le produire en Espagne. Muchetti. Donc il peut encore produire en Espagne, c'est juste que. Ah mais je veux dire, les petits films comme ça en question, tu les auras pu de sa part. Je sais pas, Peak, c'est un petit film par rapport à d'autres. Hein, oui, par rapport, mais ça restera, je pense, une bonne prod derrière. Bah, ça reste un film intime, quoi. Bah si, justement, apparemment, c'est vachement plus intime que là. Je pense qu'il va continuer à varier. Hein. Je pense que c'est un réel. Parce qu'il a besoin des deux, je pense. Voilà, un réel comme ça a besoin de se ressourcer avec des projets plus petits, plus minimes. C'est comme ça que tu repars. Plus perso. Voilà. Ce qui est marrant, c'est Blade 2, ça date de 2002, qui est son retour un peu au cinéma. Et en France, Blade 2 et Les Chines du Diable sont sortis quasiment en même temps. Deux semaines d'intervalle. Finalement, ça a percuté le public, quoi. Puisque Les Chines du Diable, c'est vraiment son. Il était sur deux gros films. Et puis là, on parlait vraiment de Les Chines du Diable, quoi. Alors là, Les Chines du Diable, ça a été vraiment son grand film, quoi. Ouais. C'est là où il a explosé. Bah, du coup, alors, Les Chines du Diable, ça parle d'un. Pendant la guerre d'un jeune donc Carlos qui en fait est amené à un établissement catholique pour orphelins et donc il va se faire un petit peu martyriser par ses camarades et surtout il va apercevoir une ombre, un fantôme qui traîne un petit peu comme ça dans l'orphelinat et il va y avoir un grand enjeu scénaristique parce que ce fantôme là il sera très lié à un personnage assez machiavélique dans cet orphelinat en question. Voilà, donc c'est vraiment un film classique d'horreur où on découvre c'est un lieu, pas un huis clos, mais un lieu on unique. Reste que dans l'orphelinat. 5-6 pièces, quoi, où on revoit à peu près tout le temps les mêmes plans, tout ça. Voilà, c'est vraiment de la frousse à l'état brut, quoi, de la peur réelle avec une putain de photo, etc. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y a la guerre civile en Espagne qui est ultra importante dans ce film. Régime franquiste. Ouais, il y a le régime franquiste. Et c'est un peu son début. Comment dire? C'est là où il a commencé. Qu'il est revenu là-dessus, sur le régime franquiste, sur les États fascistes. C'est un truc. Ça a été son nouveau, sa nouvelle thématique qui est revenue avec le reste, quoi. Sinon, je me rappelle lui, le gosse justement quand il arrive au début dans l'orphelinat, c'est un fan de Monte Cristo. Il a toutes les BD, etc. Au début. Ça c'est une anecdote et moi le truc qui m'avait vachement marqué là-dessus c'était le missile. Il y a un missile qui est tombé pile dans la cour du pensionnat. Il est limite poétique ce missile devant le gamin. C'est très poétique devant le gamin. C'est vraiment son film le plus poétique. Là on revient dans le côté Chronos, film indépendant. Puis en plus il y a le côté avec les enfants qui est aussi. Il a beaucoup tourné avec les enfants aussi.
Donc ouais, c'est un film important. Moi, le problème, c'est que j'ai vu après Le Labyrinthe de Pan, et que c'est vraiment deux binômes, quoi. Il faut voir les Chines enfin, du Diable avant Le Labyrinthe de Pan. Ouais, après, il y a pas mal de choses. C'est un diptyque, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est un diptyque parce qu'on a la guerre civile, on a les guerres en Espagne, c'est les deux films espagnols, avec le fantastique comme métaphore de la situation de l'Espagne à ce moment-là, quoi. Oui, c'est quand même pas anodin, encore une fois, qu'il ait choisi un établissement catholique pour enfants, parce que, comme je disais, il y a le côté la catholique, justement. Oui, il y a aussi le côté catholique. Emprunt comme ça de... Il y a un côté très pervers aussi, en fait. Bigoterie, enfin, c'est ça qui revient, quoi. C'est le catholicisme poussé un peu à l'extrême, quoi. Ouais, il y a un côté très... Moi, je me rappelle... Enfin, il y a des éléments, des détails, encore une fois. Il y a... C'est une fille... Il y en a qu'une fille à qui elle manque une jambe, un truc comme ça. Et puis il y a aussi une chasse au trésor, parce qu'il y a, il y a encore un personnage qui est quasiment le même personnage qui était joué par Sergi Lopez, c'est-à-dire une espèce d'enflure immonde, ouais. Une espèce de tueur d'enfants. Alors tu as Eduardo Noriega dedans qui lui en soi va casser carrément sa carrière, enfin pas sa carrière mais son image de beau gosse de l'époque dans ce film en question, parce que dedans je crois que c'est son meilleur rôle qu'il n'ait jamais eu, hein. Oui, alors ce qui est marrant, c'est que son personnage s'appelle Yacinto, qui s'appelle Yacinto. Oui. Et c'est marrant parce que Yacinto, ça me fait penser à Yacinto Molina, qui en fait c'est le vrai nom de Paul Nashi, qui était le plus grand acteur de cinéma fantastique espagnol. Alors, je me demande si c'est pas un hommage. Si c'est pas un hommage, ou en plus le perso là, de Marisa Paredes s'appelle Carmen en plus. Quoi. Ah bah ouais, mais Carmen c'est le personnage qui se sacrifie toujours, tu vois. Et, mais de toute façon, Carmen, les femmes espagnoles, de toute manière. Le film est assez fort, mais c'est surtout que c'est un film qui est. Enfin, comme d'ailleurs Chronos, hein, c'est des films très violents, quoi. Et ouais, assez pervers. Mais bien sûr. C'est-à-dire que le mec a fait du fantastique poétique avec des enfants, là où pas mal de gens s'arrêteraient là, on va dire. Dans un milieu extrêmement. Lui, il rajoute une violence. Il y a une scène de massacre à la fin. Qui est assez sombre, quoi. Mais c'est le film où tout est dur. Quand il arrive, même s'il y a une petite poésie, on sent qu'on peut partir un petit peu dans l'imaginaire du gamin. On sent une frustration, mais tout le temps présente. Tu vois, quand Noriega et sa copine, là, ils vont se barrer de l'orphelinat pour chercher des vivres ou n'importe quoi. Tu sens qu'il y a une vie autour de cet orphelinat, mais que lui, il sera toujours bloqué là, enchaîné à un démon qui siège dans cet orphelinat. Et il est confronté à. Mais à chaque fois, c'est pareil avec Le Labyrinthe de Pan, t'as l'aspect fantastique. Enfin, le fantôme, là, en l'occurrence, c'est pas lui le méchant, en fait. Le méchant, c'est les humains, en fait. En fait, oui, mais ça, c'est la mode de l'époque. Ouais. Le sixième sens, c'est aussi très la mode chez lui, quoi. Les autres, ouais. C'est aussi vachement fort. Enfin, c'est chez lui, on le retrouve tout souvent. Mais c'est-à-dire que le monstre. Ce qui est horrible, c'est pas forcément peut-être le monstre. C'est l'homme. C'est l'homme, quoi. Et puis le fantastique, en fait, c'est plutôt l'évasion, c'est là ce qui te permet de sortir du truc, quoi. Et est-ce que si le côté qu'il avait, pardon, non, je disais juste, je voulais juste l'ajouter par rapport aux enfants, c'est que Del Toro, vu qu'il aime le conte, il sait que dans chaque conte, les enfants, ils ont une part de rêve, mais il y a une part aussi des enfants qui doit être entre parenthèses violée. Brutalisé parce que ça fait partie de la formation, quoi. Disney n'a jamais fait de conte. Non. Peut-être à l'ailleurs, l'appel au bois dormant, mais normalement le conte part dans de la violence extrême parfois. Hein. C'est du conte de fées que Disney fait, mais c'est pas le conte moral. Voilà, c'est ça. Et c'est là qu'il reprend l'acteur de Chronos, là. Du coup, il le reprend là dans ce film. On est d'accord. Il y a le gamin. Non, pas le gamin, le grand père, le papy. Bah, faut regarder. Hein, on va regarder. Mais je pense, hein, oui, parce qu'il joue dedans, c'est le directeur de l'orphelinat. Je sais qu'il l'a repris plusieurs fois, donc je pense que c'est lui, parce que je sais que c'est un de ses acteurs qui l'a repris. J'en pose des questions. Mais j'en pose des questions, je pensais que vous étiez calé. Mais il n'y a pas Ron Perlman. C'est un de ses rares. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, Ron Perlman dans tous ses films. Non, c'est pas vrai. Il n'est pas dans celui-là, dans Le Labyrinthe de Pan. Dans les deux films. Pas dans Chronos non plus. Mais si, dans Chronos, il est. Ron Perlman ? Ben oui, il joue le bossu. Dans Mimic, pardon. Ah oui, dans Mimic aussi, oui. Non, Mimic, il est pas là-dedans, c'est vrai. Mais Mimic, c'est Mimic, quoi. Mimic, je crois qu'il a dit oui à tout dans Mimic. Et Ron Perlman, il faisait Alien 4 à l'époque, en plus. C'était à l'époque qu'on a pris tous ses collaborateurs et ils sont partis sur les... Donc, Federico Luppi. Oui, c'est ça. Et il est bien dessus. Oui. Federico Luppi. Ouais. C'est un acteur argentin. Oui, c'est ça. En fait, il a la classe, au bout. Il joue dans le labyrinthe... Oh, il est pas dans les films de... Attends, et il joue dans Le Labyrinthe de Pan aussi, j'ai pas... Je vais te dire ça. Bah, si, je vais le voir, je vais le voir. Je suis d'accord, ok. Ah, purée. Ok, et donc passons. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur les Chines du Diable, juste? Bah, c'est un chef-d'œuvre.
Ouais, c'est peut-être le film le plus. C'est pas le film manifeste de Del Toro, mais en termes de côté intime, c'est vraiment le film qui. J'ai envie de dire, s'il faut démarrer avec Del Toro, si on n'a rien vu de Del Toro, c'est celui-là et pas forcément Chronos qu'il faut voir. Bah, je pense que c'est ce film-là qui lui a permis d'asseoir sa réputation d'auteur crédible. C'est ça, ouais, totalement. Mmh. On va partir ensuite du coup sur Blade 2 qui est sorti quasiment très proche en France. En France, c'est sorti simultanément, ouais. Deux semaines après. Quoi. Ouais, du coup, ça. C'était un peu l'avènement de Del Toro en France, quoi. C'est, du coup, on pouvait parler de lui. Donc Blade 2. Alors Blade 2, c'est intéressant parce que Blade 2, c'est son retour au cinéma d'action, blockbuster américain. Ça. C'est même son introduction dans le ciné d'action. Ouais, mais je veux dire, il y avait Mimic qui était vraiment sa première expérience hollywoodienne. On peut dire quoi. Que Mimic, c'était pas un blockbuster. C'est un film hollywoodien. Oui, c'est un film d'horreur au niveau dire. Et Blade est à la limite du film d'horreur, quoi. Très bon budget. Oui, il y avait un bon budget. Mais il a toujours eu des budgets corrects, à part justement là, c'est vraiment là où tu vois les films du diable, tu vois vraiment que c'est un petit budget. Bah oui. Même Chrono, je trouve qu'il s'en sort pas mal pour l'époque, pour un premier film. Il a quand même de quoi faire. Mais de toute façon, les films du diable a besoin d'un petit budget pour être pur. Ouais, ouais. Donc Blade 2, c'est un peu alors. Si je m'en souviens bien, les films du diable, quand même, t'avais des plans en 3D à la fin, t'avais des. T'avais des effets spéciaux. Ouais, mais c'est un bon effet spéciaux, Del Toro. Il connaît tellement le milieu qu'il peut s'énerver. De l'obus qui tombe, tout ça. Oui, tout ça, oui. C'était assez impressionnant. C'est produit par Almodovar, donc en tout cas, c'est pas non plus la plus petite, c'est pas une production de 2000 euros. Donc, Blade 2, ce qui est. Alors, Goyer fait venir Del Toro sur Blade 2. Ce qui est intéressant avec Blade 2, c'est qu'il se dit plus jamais je fais ce que j'ai fait avec Mimic, quoi. L'intérêt de Blade 2, c'est que Blade 2, il a tourné à Prague, je crois. Ah, tout à fait. En République tchèque. Et c'est une révélation pour lui, en gros. C'est-à-dire qu'en fait, il dit... Bon, Prague. Ouais, j'aime bien Prague. En fait, il se rend compte qu'il peut, pas cher, il peut faire du... Oui, des prostituées, surtout. Il dit, c'est génial. Les petits-enfants, c'est pas cher. Ouais, bref. où j'en étais. Oui. C'est ce truc, il peut faire du cinéma, il peut réaliser des films américains, mais il peut aussi les mettre à distance, en fait. Ouais, et s'écarter des producteurs. C'est ouais. Ça. Et il dit qu'en gros, ce qui était génial avec ça, c'était qu'il va continuer avec Hellboy. Hein. C'était de pas tourner près d'eux, quoi. Parce que c'était un moyen, justement, de se couper d'eux et de pouvoir. Ils me disent de tourner un truc, je peux le tourner, mais en même temps, ils sont tellement loin que. Tant que ça vienne à leurs oreilles, je peux aussi tourner ce que je veux moi et après je peux couper. Tu envoies les notes de frais. Tu décourages un producteur en disant je tourne ça à l'étranger, quoi. Parce que ça va, déjà tu dis je tourne à Prague, ça va coûter moins cher. Déjà le producteur il oui, mais ça coûte pas cher. Mais si tu lui dis bon, en fait c'est une manière pour te dire bah toi tu restes là-bas, moi je fais mes trucs de mon côté. Ouais. Enfin, il a tout compris. Un producteur, oui, il avait rentré voir sa grosse. Il y avait des producteurs exécutifs qui étaient là-bas, mais en gros le mec avait moins d'impact. Enfin, il n'avait pas la main sur lui, quoi. Mais encore sur Blade 2, ça c'était différent parce que David Goyer et le producteur du film Peter Frankfurt, ils étaient quand même assez soudés. Et Wesley Snipes qui était aussi copro. Norrington, donc le réalisateur du premier Blade, il en a chié sa race et il s'est barré avant la fin du film quand même. Bon, après, tu vas me dire, Stephen Norrington, il a toujours eu des problèmes. C'est parce que Norrington aussi, c'était son premier film hollywoodien du coup. Ouais. Il était limite dans la position de Del Toro. Et il a toujours nié le montage qu'ils ont fait du premier Blade. Hein. Il a toujours renié. Mais Blade, est un chef-d'œuvre. Norrington a renié tous ses films. Blade est un super film, sauf que. Il a vieilli. Oui, bien sûr. Moi, j'adore. Mais c'est génial. Blade, à l'époque, on était sortis, on était sur le cul. Ça faisait plaisir de voir ça. Oui, à l'époque, ouais. Je pense même maintenant, si je le vois, je suis content quand même. Mais il manque quelque chose, une vision d'auteur. Il y a un côté très froid, je trouve. Je suis pas d'accord. Si, il manque un truc. Enfin, je sais pas si c'est la vision d'un auteur en particulier ou quoi que ce soit. Mais il manque un truc, un petit peu moins d'absurdité ou j'en sais rien. Tu vois, la crème sur la peau là, pour les vampires. Ah, je suis. Des choses qui sont pas très utiles. Non, mais. Je pense que ça pourrait être un chef-d'œuvre. Et donc Blade 2, justement. Alors c'est intéressant parce que Blade 2, c'est son premier film de super-héros, en fait, puisque Blade, c'est un personnage de Marvel, hein, on nous rappelle. Et il faut savoir qu'aux USA, il est sorti avant Spider-Man. Oui. En plus, c'était sorti après. Est-ce que vous pouvez revenir, raconter un peu l'histoire? Enfin, l'histoire, c'est rapide, un peu ce que vous avez pensé du film. Alors en fait, ça se passe 2 ans après le premier. Et en fait, Blade continue à traquer les vampires jusqu'en Europe de l'Est. Le premier se terminait en Russie, là, ça se passe en République tchèque. Parce qu'en fait, il veut retrouver Whistler,
son mentor qui était supposé être mort à la fin du premier, mais en fait il se trouve qu'ils l'ont transformé en vampire et il le retrouve et il y a le chef des vampires Damaskinos qui vient chercher Blade parce qu'il lui demande d'éradiquer un nouveau type de vampire, une mutation, qui s'appelle les faucheurs, qui sont encore plus dangereux pour les vampires que pour les humains. Enfin, ils bouffent des humains et des vampires. Et donc, Blade doit faire équipe avec un commando de vampires normaux. C'est deux salopards version vampire. Voilà, pour... Il y a Ron Perlman. On peut l'appeler Don Perlman. On peut l'appeler Ron Perlman, qui joue un mec qui s'appelle Adolphe, je crois. Et une espèce de mec, une ordure. Non, il s'appelle Reinhardt. Oui, et en fait, pendant tout le film, il se fout de sa gueule, il l'appelle soit Adolphe, soit Fritz. D'accord, ok. C'était inspiré d'un personnage de Castlevania d'ailleurs. D'accord, Reinhardt. Ok. Alors, Blade 2, c'est mon premier film de Del Toro. Je l'ai vu en vidéoclub la première fois. J'ai trouvé ça génial. Du coup, je l'ai acheté en DVD. Ce qui est rare, mais j'ai acheté le double coffret DVD qui était assez génial à l'époque. Et c'est là que j'ai commencé à connaître Del Toro, parce que non seulement il y avait le film, qui était ouf et que j'ai dû voir à peu près 50 fois à l'époque. Et il y avait des bonus. Il y avait des bonus. Et les bonus avec Del Toro, c'était, c'était une tuerie. Et quand j'ai commencé et c'est là que j'ai rencontré... La première fois que j'ai vu Del Toro, c'est Del Toro qui présentait le film et il disait « On va vous parler de la fameuse tache de sperme sur la vitrine de... » Et j'ai dit « Ce mec est génial, il est trop marrant. » Et après, j'ai écouté c'est les premiers commentaires audio que j'ai dû écouter en DVD et je trouvais que c'était les plus intéressants parce que lui était vraiment... Enfin, on sentait le mec honnête et franc sur ce qu'il faisait. Et son travail. Quoi. Et en plus, avec un humour ultra gras qui était assez drôle par rapport au film. Il se marrait à imiter Wesley Snipes. Donc l'histoire de la tâche de sperme, parce qu'il y a une scène à la fin où t'as d'ailleurs comment il s'appelle, c'est un acteur connu, c'est Santiago Segura. Oui, c'est celui qui Torrente. C'est lui qui joue Torrente, qui est un grand acteur espagnol. Qui est dans Pacific Rim aussi. Ah bon? Ah, oui. Ah oui. Mais oui. Putain, je l'avais pas reconnu. Mais je me suis dit putain, il est dans où ça. Ah, ce film est génial. C'est vrai. C'est le mec qui assiste Ron Perlman, un mec avec les cheveux longs avec une moustache. Qui propose des trucs pour le. Et quand je l'ai vu, pour le Viagra de Keju. J'ai dit putain, il y a lui aussi. C'est vrai. Putain, j'avais oublié. C'est vrai qu'il ressemble en plus. Et qui joue dans tous les films de Iglesias, c'est l'acteur fétiche de Iglesias, enfin pas tous les films, un paquet. Il joue un vampire qui s'appelle Rush, un mec qui a pas de bol en fait. Et à la fin, Blade le chope dans un truc chaud, et il y a une vitre. Et en fait, ils avaient tourné une scène avec la vitre sans rien, et ils avaient tourné une scène où ils avaient mis des taches de sperme. Et ça les avait fait marrer, du coup, ils l'avaient foutu dans le bonus, quoi. Mais ils ont viré ensuite. Ouais, après, ils ont viré, c'est pas dans la scène de finale. Digitalement. Et voilà, c'est ma première connexion avec Del Toro, et c'est assez génial. Je me rappelle surtout du début, la première scène, quand t'as comment il s'appelle? Nomak. Non, c'est ça? Nomak. Nomak, qui est le chef des mutants, des faucheurs, qui va dans un. Dans un truc de don de sang. Dans une banque de sang. En fait, c'est des vampires. Et le mec s'énerve, il prend et il mord une des vampires et il y a du sang qui éclate sur tout le mur. Visuellement, c'est sublime. Et c'est vraiment l'un des premiers films. Je crois en plus, on avait parlé quand on avait fait le débat des jeux vidéo et j'avais oublié de le citer. Enfin, on avait un peu cité, mais c'est vrai. C'est le premier film qui a réussi à combiner inspiration jeux vidéo, manga, animé, comics. En un seul film, quoi. Et c'est un gros ride. De kiff, quoi, ce film. Le premier Blade aussi, pas autant. Il te proposait ça. Pas autant. Ouais, mais oui, mais pas, aussi, pas visuellement. Ouais, on avait tous les poils qui s'hérissaient quand on l'avait vu rentrer dans la boîte de nuit avec son. Ouais, c'était pas autant. Oui, mais il y a la. Il y a la. Y a... Gore, non, mais c'est pas ça, c'est. Il y a l'action, ce qui est écrit, et il y a ce qui est filmé. C'est ça. Et la grosse différence, c'est que Del Toro, il filme et il fait des mises en scène, c'est-à-dire que la scène dans la banque de sang, là. Elle est visuellement sublime, ce qui est pas le cas de tous les films. Tu revois le premier Blade, il est assez gris, assez grisâtre en fait, un peu trop métallisé. Et ce qui était beau avec lui, c'est qu'il y a un univers plus le visuel de Blade 2 est quand même très très beau, quoi. Elle est beaucoup plus lourd que. Puis c'est vraiment un combo de tout. Tu vois le premier Blade, c'est un film qui a un côté extrêmement naturaliste. Et c'est un film qui révèle plus les défauts de son auteur. C'est-à-dire, pour moi, le premier Blade, c'est limite un ancêtre de ce que pourrait être un film comme Man of Steel. C'est-à-dire, on va exploiter un côté vachement naturaliste, mais à côté, les ficelles qui sont tellement grosses, elles vont ressortir davantage. Fort, ouais. Sauf qu'à l'époque, il y avait un côté complètement innovant. Oui, parce qu'à l'époque, c'était le premier aussi. Qui anticipait presque Matrix dans certains effets. Et Blade 2, en termes de combat aussi,
c'était du niveau de Matrix. Enfin, la scène de fin, de quasiment de catch, là, le combat était exceptionnel. Ça, c'est une des scènes que j'ai revues des centaines de fois. Même la séquence où ils vont le chercher. Oui, avec les filles qui sautent, enfin, les filles, non, les vampires qui sautent, les ninja. C'est impressionnant. Et il utilisait des personnages en 3D sur quelques mouvements qui étaient impossibles à faire, et c'était vachement bien intégré, quoi. Ça a peut-être un peu vieilli depuis, mais en tout cas, c'était vraiment c'est assez jouissif, en fait. Oui, parce que dans le Blu-ray, il a coupé certains plans de Ninja remonté. Parce qu'il n'était pas tout à fait content. Non, mais Blade 2, c'est typiquement le film avec un scénario qui aurait pu être catastrophique si ça avait été tourné par un mec sans vision. Pas le scénario ouf, hein. Non, parce que c'est Del Toro qui est arrivé et qui a dit, ok, donc les faucheurs, il faut qu'ils aient une bouche qui s'ouvre comme un vagin. Ah ouais, alors putain, le chauffeur, la nouvelle mutation. C'est des gros camionneurs de ouf. Del Toro, il avait un carnet où il mettait toutes les idées. Il y a des visuels. Je te rappelle. Dans Blade, t'as une vision d'un auteur. Ah, qui m'emmerde. Dans Blade 2, je veux dire. Ça, c'est, Et il y a la scène de boîte de nuit aussi était assez géniale. C'est là que tu te rappelles, quoi. C'est impressionnant. Puis même avec la musique et tout, enfin, c'était vraiment fun, quoi. Alors moi, je me souviens à l'époque, parce que j'ai eu exactement la même expérience que toi par rapport au DVD et tout ça, parce que moi, j'avais raté le film en salle à l'époque. Ouais. Et en fait, aussi, le DVD, je l'ai regardé mais un milliard de fois. Et t'as Del Toro qui se fout de la gueule de ses acteurs pendant les scènes coupées. Et on dirait Michael Bolton avec sa perruque, parce qu'à un moment donné, le chef Damaskinos, il est chauve dans le film. À un moment donné, ils ont essayé avec une perruque de cheveux bouclés, et t'entends Del Toro qui est juste pété de rire. Mais c'est comme apparemment, ils ont coupé une scène. Alors, non, il y avait apparemment la scène de Goyer de base avec sa femme, enfin, avec la meuf vampire, là. Nissa, qui ont une histoire d'amour avec Nissa, Apparemment, il dit, il y a une scène, et Del Toro, il dit, non, c'était pourri cette scène, c'était une scène de branlette. Et t'as Goyer qui fait d'abord, t'as le producteur, il dit non, mais non, et tout. Oui. Il dit non, et dans le commentaire, il dit non, c'était une scène de grosse branlette. C'était juste, elle branlait Blade, c'était chiant. C'est ça. Mais du coup, c'est lui qui a décidé de rajouter cette scène avec quand il coupe le bras et qu'elle lui suce le bras, en fait. Faire un truc, et cette scène, elle est super belle en plus. Moi, je me souviens à l'époque, Del Toro, il avait discuté avec son chef opérateur, il s'était amené avec une BD de Hellboy, et il a dit voilà, c'est ça qu'on va faire visuellement, on va dire, c'est-à-dire qu'on va éclairer toutes les scènes de nuit avec une lumière jaune ambrée, et toutes les scènes de jour, on va les éclairer en bleu. Tu vois aussi l'influence un peu de Prague. De cette ville qu'il essaye de magnifier avec ses lumières jaunes dans la rue. C'est là, je crois, qu'en termes de visuel, c'est vrai que là, il a commencé à arriver à un truc très très animé. Mais je crois qu'à partir de Blade 2, c'était son univers. Il a commencé à créer son univers visuel, en fait. Oui, parce que plus le film avance, plus on arrive à un truc de vampire vachement plus classique et vachement plus fort. C'est-à-dire que d'un coup, le personnage de Nomak, qui était juste un mutant, à la fin devient vraiment un personnage tragique. Tragique. Et d'ailleurs, il va reprendre l'acteur pour jouer l'elfe dans Hellboy 2. C'est lui. C'est bien sûr, c'est ça. Et c'est. Qui est encore. En fait, c'est limite, il reprend le même rôle. Oui, de quasiment. Hellboy 2, c'est quasiment un combo de Blade 2. Moi, ce qui m'avait marqué dans Blade 2, outre toute la folie du film, les choix, les angles de caméra et tout ça, c'était surtout les décors. Et en fait, la décoratrice du film, Carol Spear, c'était justement la décoratrice de Cronenberg. Et elle avait bossé avec Del Toro sur Mimic. Et Del Toro, il était avec elle, quand il fabriquait le film, il s'était dit, ah, putain, on va encore faire un film avec des égouts. Ouais. Et il faut se débrouiller pour faire des égouts qui n'étaient pas les mêmes égouts que Mimic. Et la scène des égouts aussi, putain, alors ça c'est Aliens en 10 minutes, et ça déboîte cette scène. Je crois que c'est à ce moment-là, quand je me rappelle de Ron Perlman qui sort dans les égouts avec les deux flingues, et il fait « Sucez-moi ça, bande de suceurs !» Et c'était énorme, tu sais, avec des pistolets lames, là. C'est ça. Et puis, et à la fin, Blade qui arrive et qui shoot les mecs. T'avais limite un plan à la Frazetta, quoi, tu sais, où t'avais Blade qui tuait plein de vampires avant que ça explose. C'était vraiment jouissif. Non, en plus, il a créé quand même. Il a aussi créé une situation de danger avec un accessoire. Je veux dire, les espèces de bombes UV là, qui diffusent des rayons. Ouais. Tu te dis, mais il y a une intention pour les détails dans ce film. Il te crée de la tension avec un objet. Tu dis, tu espères que la fille va pas se faire avoir par le rayon de la bombe, en fait. Et puis t'es à fond avec cet objet en question, quoi. Quand justement dans les égouts ils veulent le déclencher et tout, tu sais c'est quoi le but final de leur action. Et c'est vraiment toute l'action qui est dans la pénombre et tu comprends tout. Tu comprends tout, vraiment, c'est magnifiquement filmé. Oui, il y avait ce décor aussi qui m'avait marqué, le décor du méchant, quoi. C'était un décor à la James Bond, volontairement. Et tu voyais tous ces mecs, des espèces de snipers
qui balançaient leur rayon rouge. Et d'ailleurs, et wow. Ce côté base, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans tous les derniers films de Hellboy, dans les deux Hellboy et dans Pacific Rim, il reprend cette idée de base. Il y a quasiment les mêmes plans à chaque fois, avec les portes, les trucs. Il reprend ce univers. Même les hélicoptères, quand tu arrives devant la base, tu as quasiment les mêmes plans à chaque fois. C'est ça, comme le BPRD. Comme le BPRD et comme la nouvelle base, là j'ai oublié le nom, la base de Pacific Rim. Ils lui ont donné un nom aussi. Ce qui est impressionnant dans Blade 2, on va pas en finir avec Blade 2, c'est le changement d'univers à chaque séquence. Tu pars d'une séquence très sombre, noire, à une séquence bleutée, une séquence de boîte de nuit, à la fin une séquence un peu jaune-rouge de mélancolie pure, d'émotion pure. T'as plein d'univers qui s'entremêlent et c'est vraiment... Je sais pas si à l'époque vous vous rappelez, mais au cinéma, je me rappelle... beaucoup n'avaient pas aimé ce film, l'avaient trouvé un petit peu absurde et tout ça. Oui, il y a pas mal de gens qui ont trouvé que c'était con comme. Ouais, voilà, exactement. Et purée, moi je trouvais que c'était. Et très violent et un peu la bête. La première fois que je l'ai vu, je l'avais pas trouvé vraiment très intéressant parce que j'avais subi. J'étais très fatigué, j'avais vraiment subi. Et t'as vu Samouraï avant aussi. Juste Samouraï avant, c'est ça. Et la deuxième fois que je l'ai vu, je suis. On va faire une émission spéciale sur le réalisateur de Samouraï, tu vois. Putain, lui, je le vois. 10 minutes. J'ai Ligny, là, je sais plus comment il s'appelait. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que le premier Blade, en fait, son climax, c'était la scène de boîte au début. Ouais. Et que là, Blade 2, ça commence avec un truc. Non, mais putain, encore il y a ça derrière. Ouais, et le mec, il te termine dans une apogée. Ah, mais c'est ça qui c'est un gâteau. C'est là où tu sentais qu'il y avait un combo de plein de références et que, pareil, le film peut sortir dans 7 directions différentes. Et il arrive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu passes un côté Aliens, à un moment, tu passes un côté Vampire, à un moment, tu passes un côté limite Gangsta Rap, à un moment, tu passes un côté grosse scène d'action limite Catch, après, tu passes un côté tragique de Vampire. C'était assez génial parce que c'était tes premiers films à cette époque où tu passais vraiment, t'avais l'impression d'avoir plus qu'un seul genre mais plein de genres différents. Mmh. Un peu comme Matrix, hein. Oui. C'était, mais de manière naturelle. Oui. Et c'était ça se forçait pas vraiment bien assemblé quoi, toutes les cultures étaient voilà. Et il y avait des scènes de flip pur quand tu voyais l'assistant de Blake qui est dans son camion. Oui c'est là où je parlais de séquences aliens quand les mecs il y avait les 4 ou 5 faucheurs autour de lui qui voulaient et ce personnage il était super passionnant et puis d'un elle coup c'est, pas la peur, c'est, ça changé vers la fin. Non c'était vraiment génial. Et à l'époque, il était prévu de faire un Blade 3 et Del Toro devait le réaliser. Ça devait être un I Am Legend mais avec Blade. Goyer en parlait tout le temps, Del Toro était que pour le faire, on attendait tout le monde ça. Finalement, ça n'a pas été fait, ils ont fait Blade 3 avec Dracula, qui est une merde sans nom. Comment ils sont passés d'un tel pitch à ce Blade 3 de Goyer? Parce qu'il y a eu problème de droit, tout bêtement. Il y a eu plusieurs choses, il y a eu plusieurs problèmes. Del Toro s'est barré pour faire dans Hellboy. Voilà. Alors qu'effectivement, on avait dit c'était Spartacus avec Je suis une légende, un truc de fou. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, c'est Snipes qui commençait à avoir des gros problèmes. Ça fait qu'ils ont tourné le film à l'arrache et ensuite ils ont fait des scènes avec des doublures. Et des mecs et Goyer, il s'est engueulé avec Snipes. Et surtout, Goyer, à un moment donné, il a dit. Bon, Blade, ça me saoule maintenant. Je vais tout faire pour que Batman Begins soit blindé au niveau du scénario. Pendant qu'il réalisait Blade, il a écrit Blade 3, qu'il a réalisé pourtant. Ouais. Il était en train d'écrire Batman Begins et apparemment, il a totalement lâché le film. Et puis, c'est pas un grand réel, Goyer. Non, mais le 3, il est totalement catastrophique. Ouais. Il ne devrait même pas exister. Et puis, dans le 3, on ne sait pas s'il voulait reproduire le côté naturaliste du premier avec la folie du 2, en fait. C'était complètement bizarre. À l'ouest, en fait. Et puis moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre parler d'Hellboy aussi. Parce que c'est Del Toro qui m'a fait connaître Hellboy aussi. La même chose. Il a dit, voilà, je veux faire un film, c'est Hellboy. Il m'a fait une image d'Hellboy. Tu voyais un diable rouge avec un pack de bière en disant, c'est le mec, là, Ron Perlman. Donc Adolf qui m'a joué le mec. J'ai fait, putain, c'est génial. Il y a que, enfin. Mais je le connaissais d'avant, Ron Perlman, par contre. Donc... Je le connaissais d'avant, mais je l'avais pas remarqué, quoi. Du coup, Hellboy, c'était vraiment le. Enfin, quand ils ont annoncé qu'ils allaient enfin le faire, et quand j'ai commencé à connaître un peu la mythologie d'Hellboy, je me suis dit que ça allait être une tuerie. Et pour ça, les gens, vous allez devoir passer à la suite, puisque c'est dans le prochain podcast, puisqu'on a dit que le podcast durait une heure. Dans la suite, on va parler d'Hellboy, du labyrinthe de Pan, de Pacific Rim, tout ça. Ça sera dans une semaine. Donc on vous dit à bientôt. Hein, et puis on vous dit, voilà, il y a un suspense là, du coup. Là, tu vas couper court. Je sais, c'est de la technique. À suivre. Allez. Alors, allez, semaine prochaine pour la suite de la carrière de Guillermo del Toro. Bye bye.